Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa cinquième saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Aujourd'hui, notre reportage nous emmène à la découverte d'une petite entreprise familiale exemplaire. Son évolution est en effet un bon exemple des efforts accomplis par de nombreux acteurs de l'économie mauricienne pour produire localement, créer de la valeur ajoutée, développer des emplois qualifiés et résister au chant des sirènes de l'importation. Après avoir passé presque 20 ans au Canada, le fils des fondateurs de Metal Casting and Pressing Industries est revenu au pays. Son but, donner un nouvel élan à sa compagnie. En investissant dans les nouvelles technologies et l'humain, ce professionnel des challenges veut devenir un acteur régional majeur sur le marché des objets publicitaires et des cadeaux d'entreprise personnalisés. Dans la zone industrielle de Plaine-Lauzin, près de Port-Louis, la compagnie Metal Casting and Pressing Industries est connue à Maurice pour être le premier producteur de trophées sportifs et autres récompenses. Mais pour tenir cette position de champion au service des champions, l'entreprise fait évoluer ses savoir-faire traditionnels de bijoutier vers de nouveaux horizons, sur le marché très concurrentiel des objets publicitaires. Avec le temps, Metal Casting, qui a été créé par mes parents il y a quand même presque 30 ans maintenant, a dû s'adapter aux exigences du marché. Les clients ont changé, les technologies ont changé, les produits ont changé. Donc, il a fallu adapter l'entreprise, les employés, les équipements et les matières utilisées pour répondre aux attentes de nos clients aujourd'hui. Aujourd'hui, le client ne voit pas seulement ce qui est disponible à Maurice, mais il peut, d'un clic, voir n'importe quel produit, n'importe où dans le monde. Et ils viennent et ils s'attendent à ce qu'on soit aussi efficace dans les mêmes produits, dans les mêmes matières, dans les mêmes temps parfois. Alors, les matières sont variées, les designs aussi, ils nous demandent, mais non, moi je veux quelque chose que j'ai vu au Grammy Award la semaine dernière, pouvez-vous nous faire quelque chose? Alors, il y a le copyright bien sûr, mais on essaie d'improviser. L'improvisation fait partie du processus créatif base du métier, mais ici, attention de ne pas déraper. La créativité s'exprime dans un cadre précis et les designers jonglent en permanence avec toutes sortes de contraintes. En tant que designer, nous devons modéliser la demande des clients sous forme graphique. Le principal challenge, c'est d'être le plus efficient possible, mais ce n'est pas le seul. Pour faire avancer un projet, nous ne pouvons pas être seuls dans notre bulle de créatifs. Nous devons travailler en équipe avec les autres départements pour savoir si notre idée peut être réalisable. Il nous faut être innovants sans perdre de vue les contraintes mécaniques qui entrent en jeu. Parfois, nous recevons en même temps de nombreuses commandes. Pourtant, il nous faut être très attentifs aux échéances. L'enjeu, c'est alors de répartir le travail correctement pour finir à l'heure. Nous utilisons un logiciel qui permet de créer des prototypes grâce auxquels le client peut avoir une idée précise de ce que sera le produit fini. Afin de satisfaire ses clients, tout en essayant toujours de les étonner, la chaîne de production utilise une large gamme de matériaux. Et pour en faire des objets d'art dans des délais toujours plus courts, les techniciens ont recours à des outils technologiques extrêmement sophistiqués qui n'ont plus rien à voir avec l'artisanat. C'est plutôt au laser qu'on fait des découpes en acrylique, voilà. Et aussi, les balles, c'est plutôt sur la CNC. Qu'on peut découper dans toutes les formes voulues. On peut même faire des bases en 3D, des gravures là-dessus, des sculptures là-dessus, et même faire des, par exemple, des plaques pour d'inauguration, voilà. Donc c'est ça, avec différents matériaux. C'est du laiton qu'on utilise pour faire des plaques d'inauguration. On peut même graver sur du mob ici, grâce à cette machine de CNC. Il y a aussi le G2, et qui peut couper de l'acier inox jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Il y a aussi le plasma cutting, comme on dit, le découpe au plasma. Ça, c'est à découper du laiton ou de l'acier inox aussi. Et qu'à l'avenir, il y aura peut-être d'autres technologies à utiliser pour fabriquer des choses merveilleuses comme on est en train de faire maintenant. Kevin espère bien être parmi les premiers Mauriciens aux commandes d'une imprimante 3D. Un outil révolutionnaire au service des pièces uniques qui devrait bientôt prendre place chez Metal Casting, à côté des techniques traditionnelles, toujours bien adaptées aux productions en série. Une pièce vient de moi, et là, je dis une pièce, si bon ou pas bon. Une gravure, si bien faire. Et là, nous checker, et puis nous travaillons en ligne, nous limer, nous passe papier, nous faire polissage.
Et ensuite, on envoie d'or. Et il y a plusieurs étapes pour manger 20 pièces. Et là, nous y passe papier. Et là, nous y souder, fabriquer. Et par exemple, il y a 20 pièces qui nous viennent de gravier juridique. Ça nous disponible. Et la pièce de CNC, ça nous fabriquait. Il nous faisait des montages, puisque nous fabriquions des propres pièces pour mettre là-dedans. Médailles et autres pièces métalliques doivent alors recevoir leurs habits de lumière. C'est là qu'interviennent les connaissances des chimistes afin de procéder à la galvanisation. La galva quoi ? Regardez, on dirait de la magie, c'est très beau, mais il faut faire bien attention à soi et à ce qu'on rejette dans la nature. La galvanisation, c'est le passement de courant à travers des solutions qui contiennent des métaux. Et ça va déposer sur les objets qu'on décide et qu'on met dans le bain. Les procédés, c'est vous avez une chaîne de bain. C'est vous commencez par les préparations et puis ça, vous passez par le cuivrage, le nickelage, qui est très important avant l'argenture, même avant la dorure ou le fini du chromage. Et les produits qu'on s'en sert dans les bains sont très très corrosifs. Il faut mettre les gants, il faut mettre les protections, il faut toujours avoir la tête sur les épaules, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et avec quoi, qu'est-ce qu'on utilise. Nous, on fait tout en metal casting ici pour réduire l'impact sur l'environnement. Galvanisation, traitement de surface ou plating, c'est le même mot pour désigner l'avant-dernière étape d'un process qui se finit par, devinez ? Et oui, bien sûr, par la finition. Mon travail là, aujourd'hui, je recevrai depuis le plating. Là, aussitôt je recevrai, je vais bien checker la qualité, si c'est bon. Après, là, on commence le travail. Je commence à mettre sa couleur, faire son nettoyage, faire son montage. Après, on va contrôler la qualité encore une découpe. Après, là, on fait ce paquet. Ici, nous gardons là tout, parce que la plupart du temps, au dernier moment, un client arrive au dernier moment. Mais là, nous devons faire aussi vite et aussi nous devons mettre la qualité bien. La qualité et la productivité, tout autant que la créativité et la technicité, sont des facteurs clés du succès de la petite entreprise. Ils sont donc gérés avec la même rigueur que dans les grandes industries. Tout me donne dans l'ordinateur, mon work in progress, qui est comme tous les jours, tous les matins. Chaque département, enamel, casting department, painting department, laser, CNC, tout involve là-dedans. Chacun connaît qui commande une rentrée, qui a besoin de prêt. Et que ça permet de savoir qui est pour prêt. Parce que moi, il y a un travail qui peut livrer aujourd'hui tout à l'heure, aujourd'hui pour demain, aujourd'hui pour vendredi et la semaine après. Alors Andrew, il faut toujours mettre la pression. Bon, pas mettre la pression. Mon aide d'équipe extra formidable. Comme modèle de travail après, c'est bien de télé, travail après, salaire. Avec de jeunes cadres motivés, Metal Casting se réinvente aussi en misant sur le travail d'équipe. Une équipe réunie autour de projets ambitieux, notamment celui de partir à la conquête de nouveaux marchés. Dans les autres îles de l'océan Indien d'abord, et si tout se passe comme prévu, bientôt sur le continent africain. Les trophées sportifs et autres récompenses, les cadeaux d'entreprise et les objets publicitaires prennent des formes de plus en plus diverses. Les coupes, les médailles ou les porte-clés sont rattrapés par toutes sortes de produits. Pour le bonheur de ceux qui les reçoivent, mais aussi de ceux qui les produisent. En France, l'an dernier, les dépenses dans le secteur des objets promotionnels se sont élevées à 1 milliard d'euros, soit 40 milliards de roupies. Pour l'ensemble de l'Europe, à 3 milliards d'euros, soit près de 125 milliards de roupies. À Maurice, il n'y a pas de chiffre connu. Mais les ventes du premier producteur, Metal Casting and Processing Industries, ont atteint les 20 millions de roupies. 30% de l'activité avec le monde du sport en fournissant principalement des médailles et des coupes. 40% sur le marché des objets publicitaires et des cadeaux d'entreprise. L'entreprise a réalisé 7% de son chiffre d'affaires à l'export. Elle fait tout pour que ces chiffres augmentent dans l'avenir. Mais ce n'est pas simple car même si les clients sont nombreux et différents, ils ont tous trois points communs. Ils ne savent pas bien ce qu'ils veulent, ils le veulent tout de suite, voire pour hier, et en plus, ils n'ont pas prévu de budget. Alors, cadeaux et récompenses, c'est sympa, mais pas toujours facile. Metal Casting and Pressing Industries compte aujourd'hui une petite cinquantaine de salariés. Cet effectif est appelé à grandir si la stratégie de croissance à l'international de Youssouf Goberdon porte ses fruits. Mais le directeur de la compagnie affirme qu'aujourd'hui, il lui est difficile d'assurer la relève, faute de candidats aptes à remplir les fonctions voulues. On espère qu'après la diffusion de ces images, ce problème sera rapidement résolu. C'est l'un des principaux buts de notre émission que de rapprocher l'industrie mauricienne et la jeune génération pour qu'ensemble, elles contribuent au développement économique du pays.
Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous dis à mardi prochain, 20h40 sur MBC1, pour un nouveau numéro de 100% Challenge. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée, et retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.